longue entre Blagnac et Brive-la-Gaillarde. Ça sera l'étape la plus longue du Tour de France. À 3 jours de l'arrivée à Paris, les organismes seront fatigués. Je pense que ça sera encore une fois une belle étape parce qu'il n'y aura plus beaucoup de chances de gagner une étape sur le Tour. Il restera un contre-la-montre et une étape à Paris. Donc place aux baroudeurs, place aux longues échappées. Il peut toujours se passer quelque chose dans l'avant-dernière étape du Tour. C'est toujours les classements qui se font, classement par équipe, classement du maillot vert. Donc il peut toujours se passer quelque chose sur ces étapes. Une étape quand même pas facile, on n'est pas sur le plat. Hein. La région de Brive, on est sur des étapes vallonnées, accidentées, donc pas une étape de tourpeau.